Oh, il est chiant, lui a râlé. C'est bon, hein, tu crois qu'on en a pas eu assez hier, des gens qui râlent? Ah ouais, hein. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. L'autre jour, j'ai retrouvé un vieux Fallen Kingdoms datant de 2020 avec Fuse, Ninjax, Siphano, Frigiel et Magic Nup. Et en vrai, je me suis dit que ça serait cool de vous le partager. Retour quelques années en arrière. Décembre 2020, un Fallen Kingdoms spécial Noël est organisé sur Minecraft. Trois équipes de deux, Siphano et Magic Nup, Frigiel et Ninjax, et donc Fuse et moi. Comme tout Fallen Kingdoms, on allait devoir créer une base de zéro, une salle des coffres la plus cachée possible afin qu'aucune équipe ne puisse la découvrir. Évidemment, notre but sera de trouver celle des autres équipes afin de les éliminer. Comme d'habitude, il est impossible de poser des blocs en dehors de ce petit carré représentant notre base. On aura seulement le droit au TNT et briquet pour détruire la base des adversaires. Dernière petite précision, lorsqu'une équipe sera éliminée, ces deux joueurs seront répartis dans les deux autres équipes encore en jeu. Et oui, du coup, ça date, hein. Jugez pas trop ma tête, hein, c'était il y a longtemps. Par contre, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, vu qu'on vise les 400 000 abonnés avant la fin de l'année. Bref, c'est parti. La question c'est, on va tuer quel team en premier et on récupère après, qui, en après fait. On passe mytho, la team qui te récupère a quand même plus de chance que moi, tu vois. Ça veut rien dire. Oh, c'est magnifique quand même, la map elle est belle. Est-ce que t'as vu la salle que, du coup, que je t'ai envoyée? Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai pas regardé, mais c'est quoi, vas-y. Bah, en fait, j'ai pas eu le temps parce que j'ai lancé le stream. Ouvre là, elle dure 30 secondes, regarde là. En gros, la Guil m'a envoyé une salle des coffres qu'on va faire. C'est apparemment une salle des coffres qui a déjà été inventée à l'époque dans FK2, je crois, du coup, pour, si on m'avait dit sur mon chat. Mais en gros, pourquoi pas refaire pareil, quoi, j'ai envie de dire. Pourquoi se faire chier, en fait. Ok, alors attends, la vidéo, je check la vidéo. Vas-y, moi je vais aller commencer à faire le stuff et tout, pas de soucis. Alors, moi je te dis, la team qui me fait peur là ce soir, c'est quand même Frigiel Ninjax, hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, on connaît le cerveau de Ninjax. Magic te fait pas peur. En fait, le truc, c'est que Frigiel pour moi est très bon en PVP, tu vois. Et je pense que, en vrai, Frigiel vaut Magic par exemple, tu vois. Et Ninjax, le souci, c'est que pour moi, c'est un giga cerveau dans FK en fait. Non, après, il est chaud, mais je pense que en vrai. Toi, t'as plus peur de l'autre team, toi. Moi, je sais pas, mais Magic, il me fait peur en fait. Ouais, peut-être, mais bon, tu prendras Siphano, je prends Magic, et puis voilà. Si Siphano, il est 3 quarts et toi, t'es full D. C'est ça, Pour moi, Siphano, il est fort en PvP aussi, non? Je saurais pas catégoriser son niveau. Pour moi, Frigiel est le deuxième plus fort, là, je dirais, avec Magic, tu vois, par exemple. Parce que Siphano est peut-être légèrement meilleur que toi, mais vu que t'as plus de pièces, à mon avis, tu pourrais quand même l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans cette map ou pas du tout, mec? En fait, je suis en train de me dire, là, Atlekan à sucre, ouais, peut-être. Là, j'ai Maskan aussi, on va récupérer ça, là, tout ça, tous ces trucs-là. Bon, par contre, ouais, faudrait peut-être qu'on commence à faire la base, du coup. Bah, alors, moi, là, je suis dans les grottes, là, je suis en train de choper du diams. Mais la question que je me pose, c'est comment on peut avoir, mec, comment on appelle ça, là, des graines, du coup, en fait, pour faire du blé ou des trucs comme ça, parce qu'on a rien du tout, là. Ah, mais si, mais j'aurais dû prendre au centre, mais je suis trop con, putain, j'ai pas pris au centre. Trop con, genre, je me suis baladé à côté, j'ai rien pris. Du blé au centre, moi, j'avoue, j'ai pas fait gaffe du tout à la map. Attends, je vais y retourner, au pire, de toute façon, je m'en fous, parce que si tu mines pour l'instant, je peux y retourner. En plus, on a du gravel là pour faire les flèches. Attends, parce que moi, j'étais pas du tout concentré, en fait, là, mec, je commence la partie, ça y est, je me réveille. Bah, en fait, j'ai bien fait de venir, du coup, parce que je vais prendre tout le blé de tout le monde, mec. Personne aura du blé, en fait, comme ça, à part nous. Pour le même régler, en fait, on va faire notre élevage. Bon, il faut que tu nous trouves plein de diamants, mec, là. Ouais, attends, là, il y a des diamants à côté de la lave, là. Mais après, les grottes là, je sais pas si elles sont communicantes en fait. Oh, je pense que oui, normalement. Hein. Par contre, mec, je te le dis, en termes de bouffe, bon, on était déjà tranquille avec toute la bouffe qu'on avait, tu vois. Mais on est encore plus tranquille avec tout le blé que je viens de ramasser. Hein. Donc là, alors, c'est par où? C'est par là-bas, on va aller par là-bas. Putain, elles sont vraiment pas communicantes. Hein, ah ouais? Bah, je crois pas, hein, genre. En vrai, tant mieux hein, si ça communique pas. Est-ce que t'as du fer, mec? Dis-moi. J'ai 34 fer là pour l'instant. Ok, mais en fait, là, j'essaye de m'éloigner pour avoir des. Pense. Ah, j'ai pas pris de bois, putain, il me faut plus de bois que ça. Il y en a vraiment pas masse, quoi. Ah ouais, il y en a pas beaucoup du tout. Tant que je suis dehors, vu que c'est la nuit, peut-être que je vais aller voir pour reprendre tout ce qui est Enderman et tout ça, je pense. Ok, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Bon, ça va, écoute, on prend notre temps. Franchement, j'ai pas envie de me stresser aujourd'hui. Hein. Franchement, je te le dis, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. C'est juste tranquille ou chill. Et voilà, c'est Noël, tu vois. Oui, c'est tranquille. Un peu, après, en vrai, c'est chiant. S'il y a pas de diams, on est dans la sauce, quoi. Mais t'inquiète, mec, on va retrouver. T'inquiète pas. Je te promets qu'on va retrouver. S'il faut que j'aille dans les grottes des autres, chez eux, dans leur base, pour en trouver. Par contre, mec, la map, elle est vraiment gigantesque. Hein, pour trouver la base des autres, ça va être un enfer. Hein. Alors, est-ce que du coup, je commencerai pas à construire la base? Bien sûr, on va commencer à construire la base et on va mettre tout ça en cobble. Du coup, on va miner 600 cobble afin d'être tranquille. On va miner un petit peu aussi, comme ça, moi, je prendrai un niveau. Bah, vas-y, mine tranquillou. Là, moi, je suis en train de miner limite en branche parce que du coup il y a air, du coup ça va faire de la cobble. Ok, tranquillou, mettons-nous bien. Ah bah tiens, une grotte, bah, nickel, je tombe sur une grotte. Ah, bon, on va se mettre plutôt bien, j'ai envie de dire. Ah, le diams sans fin, du diams. Putain, en fait, notre grotte, on avait juste pas de chance quoi. Ou alors quelqu'un avait tout pris, mais il y a moyen que quelqu'un soit venu tout prendre. Mais bon, si vraiment on a pas de chance à ce point-là et que quelqu'un vienne tout prendre. Et donc, objectif numéro 1, ça va être du coup de bien miner, de bien se stuffer. Et après, on va faire les murs de la base, on va faire aussi tout ce qui est la salle des coffres. Je pense qu'on va faire la salle des coffres comme on a vu du coup, en vrai, avec des pistons. Ouais, c'est pas mal, c'est. C'est un truc simple quoi. Oh, un petit creeper chargé là qui fait plaisir de ouf là. Hop là, petite TNT déjà, ça commence direct. T'es bien enseigné. Ah, mais c'est toi qui as miné par là en fait. Ok. Fin du jour 1 déjà. Oh shit. Ah oui, ça passe vite, dis donc. Faudrait qu'on se stuff directement dans les pistons. Là, vraiment, c'est tendu. Hein. Tu veux que je revienne? Parce que y a rien du tout. Hein. En vrai, comme tu le veux, mec. Mais moi, je vais aller dans le nether chercher les potions. Si tu veux faire la base, tu peux faire la base aussi, tu vois. Ça dépendra de notre stuff, je pense en vrai. Comment je remonte moi du coup là, comme ça? Et moi, je sais plus c'est quoi les règles de FK. Ça fait trop longtemps qu'on en a pas joué là, je te jure. Je pense que je vais remonter en vrai à la surface. Ah, mais t'es là. Ah, mais y a Frigiel, mec. Y a Frigiel dans nos caves, gros. Mais non. Il va être déçu. Hein, il vient me buter. Mais... Bah là, il vient me buter, hein, je te le dis. Il a un arc et tout. T'as buté? Non, il cherche à me buter. Ah oui, ah ok, d'accord. Et donc, attends. Il faut que je fasse gaffe. Ouais. Attends, bouge pas. Je sais ce que je vais faire. Vas-y, viens, mec. Attends, j'ai un putain de squelette qui me pousse dessus, gros.
pilon d'or de... Ah, il m'a eu. Il m'a eu, il a récupéré tout ce que j'ai, gros. Il a vraiment récupéré tout, absolument tout ce que j'ai. Bah, absolument tout. J'avais plus rien. Et il est stuffé avec du fer et tout. Ouais, enchanté et tout. Il est déjà enchanté, etc. Non, mais putain, si, il est déjà enchanté. Ouais, ouais. Ils ont été deux spies en fait. Ouais, ils sont venus nous rusher direct, genre direct. Putain. Ouais, bah, j'ai perdu tout ce que j'avais, absolument tout, mec. J'avais tout le blé, tout, absolument tout. Et tout le fer que j'avais, tout ça. Tout. J'en commence de zéro. Je suis mort. Ça me fait. Ah bah du coup j'ai plus de bouffe. J'ai failli le buter. T'as plus le blé non plus. J'ai plus le blé, j'ai plus rien, j'ai plus de bouffe, j'ai que dalle gros. Je peux même plus courir là déjà en arrivant là-bas. Je pourrais déjà plus. Il est enchanté ce. Ah ouais, ils sont déjà enchantés. Ouais. Ah là ils se sont dit gros vas-y là on va la jouer à fond. Hein. Là ils se sont dit là on y va quoi. C'est pas grave, on ira se venger et tout après. De toute façon tant que toi tu meurs pas avec les diams, c'est ça le plus important. Je pense que j'ai laissé à pas beaucoup de vie en vrai. Je pense. Je pense que la frigelle il a une petite dent contre nous là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, on va remonter. C'est que du minage que j'ai perdu. Bon j'ai quand même perdu 20 minutes quoi en fait là. On va se stuffer. Je vais aller Nether, je vais les tuer. Et là on va rigoler, t'inquiète. Mais s'ils veulent qu'on joue à fond, on va jouer à fond, t'inquiète pas, regarde je me mets droit sur ma chaise, on y va, c'est parti. Ah mais attends, t'as plus de cuir du coup. J'ai même plus de canne à sucre, dis-toi, j'ai plus rien mec. Si j'avais tout sur moi parce que je voulais aller faire des coffres, mais je voulais d'abord finir la muraille en fait avant qu'il vienne. Là c'est la base parce que comment on fait du coup. Ah bah je vais aller en chercher de la canne à sucre là du coup, hein, s'ils ont pas tout pris quoi. Sinon bah on a plus de canne, on a plus rien quoi. Sinon bah on peut pas s'enchanter. Sinon ça va être ça. C'est putain, mais c'est quoi ces maps de mort là. Après je pense pas qu'il ait pu ramasser tout mon stuff, il y avait tellement de trucs. En vrai je me tâte à aller voir direct pour voir s'il est pas re-là. Ouais, il a laissé que je vois dans la grotte là. Ouais, c'est moi. C'est moi. Il a laissé juste mon stuff. Attends, c'est pas sûr. Hein. Oh le blé, j'ai récupéré du blé, c'est déjà ça au moins. J'ai récupéré un peu de blé, mais bon, il a toute la canne. Putain, en plus, il a la TNT et tout, le bâtard. Mais Frigel et Ninjax, ils veulent qu'on les tue en premier. Non, mais tu sais ce qui va se passer, mec, c'est qu'on va se stuffer. Je vais prendre le stuff et je vais aller chez eux et je vais les tuer. Alors, ça va être plus simple, gros. Je vais y aller à la main, gros, chez eux. Je vais descendre dans leur grotte et tout et je vais aller les tuer. Putain, mais oh, c'est difficile ce début de game là. Hein. C'est difficile. Hein. Là, ça nous met au fond, quoi. Qu'ils sont venus nous tuer, ça nous met clairement au fond là. Après, c'est bien joué. Hein. Là, faut juste qu'on s'enchante un petit peu, du coup. Là, je viens de récupérer l'opsi. On va chercher un petit peu de canne à sucre. Il y en a autour de la base, normalement, dans les petits endroits où il y a des sortes de lacs. Faut qu'on prenne aussi beaucoup, du coup, de cobble et tout pour faire la muraille. Comme ça, dès qu'on a une petite muraille, ça sera sympathique. On pourra mettre nos coffres dedans. Notre respawn aussi, faudra qu'on fasse le lit directement. Ok, j'ai 2 TNT. Là, on peut faire 2 TNT déjà. Je remonte. J'ai mes 4 d'opsi. Et après, je pense que je vais aller rendre une petite visite à nos chers amis. Et moi, je pense qu'il faut que, à la limite, tu continues de miner en vrai. Parce que sinon, on va être dans la giga merde, hein, je pense. Hein. Qu'on gagne du temps en fait sur. Ouais, non, c'est sûr. Ah, ils ont pris toute la canne à sucre du monde, mec. Je pense que je vais aller faire un tour chez eux pour voir s'il n'y a pas de la canne un peu vers chez eux, quoi. Que là, on a vraiment zéro. Ah, si, c'est bon, j'en ai de la canne, c'est bon. Oh mon dieu. Heureusement qu'ils ont pas tout pris ici parce que là, sinon, c'était la merde. Ouais, ça va être plutôt bien. Je pense qu'on va. On va s'attraper. Vous inquiétez pas, les gens, on va s'attraper. On va se mettre full fer. Je vais aller démonter la gueule de Frigel et ça va être une autre histoire. Non, en fait, c'est Ninjax qui va prendre pour Frigel. Ça va être plus simple. On s'enchante et en vrai, là, on se setup soit pour aller dans le Nether, soit tu peux commencer la salle des coffres si tu veux. En fait, je sais pas, est-ce qu'on fait un labyrinthe ou est-ce qu'on fait. Non, on va faire un labyrinthe et dans le labyrinthe, on mettra justement un truc avec la plaque de pression, tu vois. Bon, du coup, on va commencer déjà à creuser le labyrinthe. Ça ouais, commence bien. À creuser le labyrinthe si tu veux. C'est vrai que ça fait un peu chier là. La map est un peu compliquée quoi pour nous. On va pas se mentir là. Clairement, ça nous aide. Bah, ça va là. On a juste perdu un épisode quoi. J'ai un truc à te proposer à la limite. Si tu veux, c'est tu me donnes tes. Je prends un risque, tu vois, mais ça peut être bénéfique. Tu me donnes tes 2 pièces diams que tu as. Je les enchante et tout. Je me mets avec un stuff qui est plutôt ok. Et là, je vais chercher justement dans le Nether ou quoi les potions. Et si jamais il y a du PVP et que je peux tuer par exemple le Ninjax, tu vois, je ouais, le tue. Mais par contre, du coup, le truc c'est que si jamais tu meurs, c'est fini quoi. Bah en vrai, je te laisse la table quoi. Je prends rien avec moi. Genre. Je prends juste ouais, mon épée. Mon arc. Tu veux pas y aller en full fer plutôt parce que le problème c'est que le diams. Le problème c'est que bah en fait, pas les claquer. Ouais, je pense. Vas-y, j'y vais full fer. Parce que limite, tu peux les pousser dans la lave ou les faire chier. Ah mais le but c'est d'avoir le stuff, tu vois. Si j'y vais, c'est pour avoir le stuff. Ouais, mais après techniquement que t'es le stuff ou même juste qu'ils le perdent, c'est déjà pas mal, non? Ouais, mais on sera avantagé si on a le stuff très clairement. Donc ok, bah en vrai je vais y aller full fer, comme ça tu gardes ton stuff et je peux récupérer sur eux après. Ça sera peut-être même plus simple pour mon chant. Faut juste qu'on fasse un lit avant. Je vais le faire tout de suite et ça sera plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de chance là. Par contre, gros, t'as pas intérêt à mourir parce que là sinon. Ah bah ouais, si non, on a plus de niveau, plus de lapis. Ouais, mais faut tenter, tu vois. Et puis si on meurt, de toute façon, il y aura toujours un moyen de revenir. Hein, t'inquiète. Hein. FK n'est jamais perdu. Hein. Ok, la fin du jour, eh ben c'est parfait. On va pouvoir y aller. Je vais aller faire un petit tour au 0-0 pour voir comment ça se passe. S'ils sont pas là, tu chopes les potions, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et s'ils sont là, je les bute et chope les potions. L'idée, c'est que là, il faut que j'aille les buter avec Sharpness 3, ça peut aller super vite. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des gens, mec? Imagine, il y a une team de 2. D'ailleurs, je te préviendrai, s'il y a une team de 2, faudra que tu m'ouvres la base hein, pour que je puisse revenir. Ouais. En vrai, mec, là, on est mal parti, mais tu sais quoi? Je crois à notre remontée, honnêtement. Je te le dis. Allez, je vais dans le Nether. Hein. C'est parti, on y va. T'as allumé le Nether du coup? Ouais, j'ai allumé le Nether. Il y a une forteresse pile à la sortie du Nether, gros. Écoute, hein. Je te le dis. Bah, fais le max de popo que tu peux. Alors, Nether Wart, je vais vraiment tout leur prendre, mec. Comme ça, ils auront rien du tout. Tu sais que si on a les potions et pas eux, c'est la manière de remonter, mec. Hein. Si on a des potions de speed. Ouais, mais du coup, si on a droit au poison, c'est. Mais bien mal, sûr que oui, mec. Bien sûr, on a le droit au poison. Mais attends, c'est pour ça que je t'ai dit en vrai, c'est rien de perdu là, mec. Hein. Si je garde les potions, mec, c'est trop bien. Hein. Laisse tomber. En plus, j'ai du diams là. J'ai du diams de l'or dans le coffre. Normalement, la Gentleman Runes, je vous le dis que tu laisses au moins une Nether Wart pour chaque équipe. Ah. Ok, bah, du coup, je vais laisser là. Ça fait 2 Nether Wart à chacun. C'est bon, j'en ai laissé un tout petit peu dans ces cas-là. Allez, on va chercher les blazes et après, je vais revenir et je vais faire direct des potions, moi. D'ailleurs, est-ce que je prends de l'XP tant qu'on est dans le Nether avec le quartz ou quoi? Ouais, prends masse XP en vrai. Je prends plein de niveaux quoi pour te donner des trucs. Hein. Si tu trouves du lapis ou quoi, mec, plus les potions, tu sais quoi, on se fait juste un stuff correct.
correct. Il y a de l'or partout quoi. C'est... Alors là mec, c'est bon pour les blazes, j'ai tout nickel, ça va nous mettre plutôt bien. Allez c'est bon, l'exploration était bien, c'est bien passé. Maintenant on repart. Attends, il y a des wizards devant moi. On pose un wizard chez les autres en vrai. Quoi? Tu sais, trois têtes de wizard, un wizard chez eux mec. Mais mec, et en vrai, tu sais, pour entrer dans les bases, c'est pas mal hein. Mec, on pose un wizard chez chacun. Mec, tu veux pas qu'on essaye, ça serait épique. Mais on a pas looting, il faudrait qu'on ait looting, mais mec, ça serait incroyable. Hein. Ah, mais mec, ça serait le truc de ouf à faire dans un FK, ça. Mettre stylé, un wizard à côté d'une base, mec, je te jure. Il y a un jour, on fait ça, mec. Je te jure, la prochaine fois, au prochain FK, on fait ça dès le début. Genre, on se met en tête d'avoir un looting et tout. On dit rien à personne, mec. On se fait deux looting, trois là, et on va chercher des têtes de wizard, on fait un wizard. 100% là, c'est le truc qui a jamais été fait ou quoi là. On va le faire, on va gagner ce FK, vous inquiétez pas. Est-ce que tu par hasard, si tu trouves des araignées, garde bien les yeux, hein, d'araignée. C'est super important. Hein. J'en ai pas sous la main. Il y a Ninjax en face de moi, gros. Il y a Ninjax en face de moi, je te jure. Non, cache-toi. Il est full faire. Hein. Mec, en vrai, bah après, s'il est full faire et que toi t'es. Ah, t'es full faire aussi. Il va venir vers moi, gros. Je vais le fumer. T'as vu? Non, je le fume. Je vais le fumer, gros. Prends pas de risque. Ah, si, je le fume, gros. Je m'en bats les couilles, gros. Je le fume. Hein. Ah, mais prends pas de risque. Tu le fumes, tu fais ce que tu veux. Mais tu meurs pas. Yes! Il avait des trucs ou pas? C'est mon stuff de tout à l'heure, ouais, le stuff enchant, gros. Sharpness 2 en diam, c'est tout. Oh là là, bien joué! Vas-y, rentre vite parce que là, ils vont peut-être. Frigel va venir là, c'est sûr que Frigel va venir. En plus, mec, je t'ai pas dit, mais j'ai 16 diamants là. Ah, nice. 1-1 là, ok, si Frigel revient maintenant, ça va être une autre histoire, mais il y a Frigel derrière moi, gros. Non. Si, je me casse. Il t'a vu ou pas? Oh ouais, il est en train de me shooter, mais je vais repartir. Plus aucun souci. C'est bon, je suis reparti, gros. Je le fight même pas, je me casse. Hein. Il y a Frigel qui a voulu me buter pour récupérer tout ce que j'avais, mais là ça sert à rien, ça serait greedy d'essayer de le tuer donc. Non, vas-y, on tente pas. J'ai récupéré. Après, si on y retourne. C'est mais... ça, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut, nous, exactement, voilà. Et il continue de me shooter, mec. Il va falloir que tu m'ouvres la base. Il vient me buter. Contourne, va derrière la base. Ouvre et contourne derrière la base, en vrai. Ah, j'ouvre derrière? Ouais, genre, ouais. Contourne, et comme ça on le prend à deux, tu vois. Je vais aller derrière la base, cache-toi, genre, et je vais contourner la base. Je suis pas enchant, hein. Pas grave, t'inquiète. Je vais faire exprès de le laisser me rattraper. Ah, il est encore sur moi, gros. Il est encore sur moi. Bon, vas-y, rentre. Ah, c'est bon, il t'a vu, putain. Il croyait que j'étais tout seul. Bah, viens, rentre dans la base, mec. J'ai vraiment envie de le fumer, mec, hein, je te jure. Hein. Mec, on pose tout, on le bute. Ouais. Laisse-le partir, c'est bon, vas-y. Allez, c'est bon, mec, on a tout. Nickel, j'ai son stuff. Tiens, regarde ce que j'ai, mec. Il était full fer ou il avait plus? Bon, il avait ça, mec, regarde quand même, en vrai. Regarde tout ça, quoi. Oh, bien, plus du diams. J'ai récupéré sa pioche en diams d'ailleurs, donc il peut plus me. Protection 2 en plus. Ah, ouais. Ah, ouais, tiens, je te donne les trucs en rab. Ah, tu m'as mis un, bah. Et du coup, mec, j'ai ça, regarde. J'ai tout ça. Donc franchement tu vois ça nous remet bien quoi. Mais ça, je veux dire. Bien joué. Ça nous remet bien. C'était ce qu'il nous fallait quoi. Alors oui, du coup moi je vais commencer à faire les potions, comme ça au moins on gagne du temps. Est-ce qu'on a de la gunpowder? Oui, bien sûr qu'on a de la gunpowder. Nos trucs de potions, on les met en dessous, tu vois, genre on fasse une petite salle en dessous, là où t'as commencé à creuser pour le labyrinthe, et qu'on fasse les potions en dessous, parce que si jamais il pénètre dans la base, tu vois, là tout de suite là maintenant, il chope pas les potions comme ça, tu vois. Parce que là, à mon avis, Frigel, le connaissant, il va sûrement être en mode ok, on va aller les buter direct. Parce qu'il sait ce que j'ai récupéré là. J'ai pas de sable. T'as du sable? Faut que j'aille en chercher, je crois. Ah, parce que j'aurais bien aimé avoir là plus d'araignées pour faire plus de potions de poison en splash, mais bon après à la limite, 3 ça passe toujours hein. Et on va en voir encore du temps du coup pour faire notre base. Il nous reste pas mal de temps, tu vois, regarde, on a vraiment 40 minutes pour faire notre salle des coffres. Bah voilà, on se met plutôt bien là. Ok, bah écoute mec, j'ai un stack de sable, je reviens tranquillou. Et on va aller faire les potions direct, comme ça au moins dès que je me balade, si j'ai des petites potions de speed, ça peut être déjà pas mal. T'as moyen de continuer à creuser un peu le labyrinthe? Ouais, je peux continuer un petit peu en attendant que les potions se fassent et tout, ouais. En vrai, on est bien mec hein, en vrai On est très bien, ouais. Donc fake hein, on est pas trop mal hein. Regarde, je vais faire tout ce qui est directement. On a 4 TNT déjà, c'est plutôt pas mal en vrai. On va faire 4 tournées en même temps, on va faire 3 de speed et une de poison. Et on fera un coffre spécial potion qu'on cachera en bas en espérant qu'on ne se fasse pas attaquer à ce moment-là. Alors du coup, je continue de creuser, ouais, le labyrinthe. OK. Et après dans ce labyrinthe, du coup, on foutra notre petite base. On va mettre du sable et tout comme ça tombe, ouais. Du coup, ils sont obligés d'en claquer. Ouais, mais faut aller chercher du sable quoi, c'est un peu. Ouais, c'est sûr qu'après il faut aller chercher du sable, mais oui c'est faisable. OK, donc Magic et Fano, on les entend pas trop pour l'instant, mais je pense qu'ils font leur truc dans leur coin, mais en tout cas, il y a une petite rivalité avec la team de Ninjax là qui se crée. Par contre, Fano, ils disent rien, mais je suis sûr qu'ils vont se ramener d'un coup, ils seront trop bien stuff et tout, mec, laisse tomber. Hein. Là, ils parlent pas mais on les avoir à peut-être qu'on peut arriver leur foutre quelques petites TNT dessus, histoire de les faire suer quoi. De toute façon, je sais pas quel team tu voudrais assaut, mais en vrai, je sais pas laquelle faudrait assaut en premier en fait. En vrai, je dirais franchement Frigel Ninjax, parce que si on récupère Frigel avec nous, ça peut être pas mal, tu vois. Ok, là j'ai bien creusé de partout, là en tout cas, ça les fait bien avancer. Vas-y, on va trop les faire chier, je vais creuser de partout, c'est invivable pour eux. Ok, je pense qu'après la salle, on peut la foutre, ouais, quelque part. Là, on pourrait même descendre à la limite. Ouais, la cobble, n'hésite pas à t'en servir pour. Ouais, bien sûr. Là, j'ai creusé un truc qui est assez grand, là je contourne encore. Tu vas me dire, mais je pense que on a assez creusé là. Je pense qu'on pourra le foutre à un endroit, qui est bien caché ou quoi. En vrai, leur foutre un bouton, ils vont penser que c'est un truc de merde, je suis sûr. Bah, j'ai fait exprès, j'ai mis un bouton. Ce bouton, ils vont se dire, mec, il y a un truc qui est pas normal là, c'est sûr. Vraiment, ils vont devenir fous jusqu'à tomber sur le passage intéressant qu'il faut. Voilà, c'est bien là pour tomber. Je sais où c'est qu'on va foutre notre truc, hein. Je te le dis, mec. On a du sable en rab. Ouais, bien sûr qu'on a du sable en rab, bien sûr. Ah putain, mec, là j'ai 16 gunpowder. Bon, je remonte, mec, j'ai laissé les potions en dessous et j'ai trouvé l'endroit où c'est qu'on va poser, je pense, à mon avis. Et après, moi je suis chaud dès que les assauts sont up, peut-être pour essayer d'avoir quelqu'un, parce que niveau TNT là, mec, on en a. Faudra qu'on fasse gaffe de pas se faire backstab, hein, en vrai. Hein. Si on attaque une ouais, team, ouais, hein. Mais après, vas-y, le beau jeu, hein.
tu sais. Tu connais, hein, tu sais. Bon, regarde, mec, en vrai, regarde ce que j'ai fait là. Je vais remettre du sable et tout par-dessus et tout aussi, mec. Je vais rajouter une couche de sable, hein, je te le dis. Ça nous fera une toute petite base, mais je vais rajouter du sable encore, mec, hein, je te le dis. Il va falloir qu'il gaspille, je sais pas combien de TNT. Pour rentrer, mec, on aura fait un truc, laisse tomber. En vrai, on peut remplir toute notre base de. On fait une. Comment dire, toute notre base de cobble, hein. Sauf ce petit trou là, tu vois. On remplit toute cobble, sauf notre petit trou. Plus la salle des coffres à l'intérieur. Ils vont péter un plomb. Que je fasse la salle des coffres, du coup. Ouais, je veux bien que t'ailles faire la salle. Ouais. Un truc un peu comme j'en voyais sur la vidéo, un truc assez simple avec une plaque de la redstone ou quoi, c'est assez simple à faire. Et pendant ce temps, moi, tu sais ce que je vais faire, je vais chercher du sable et je vais chercher la tonne de tout ce qu'il faut en fait. Comme ça, là, je vais chercher le sable, je pose autour, je fais la muraille et ensuite je mets le lit en hauteur avec les dispensers. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une attaque, hein, je te le dis. Le sable, c'est juste pour faire gaspiller une TNT de plus, quoi. Après, hein, c'est vraiment. Tu veux la mettre où, du coup, la salle des coffres Je te montre, mec, en vrai, regarde. Je sais pas ce que t'en penses, mais regarde. C'est un grand labyrinthe, il va falloir le trouver, mais regarde, viens en bas. Là, je crois que c'est là, ouais, là, il faut descendre et tout. Là, tu vois, ça remonte. Bon, ils vont galérer déjà pour trouver jusque là, c'est juste que je connais le chemin. Là, ça descend. Et là, tu vois, regarde, là, ça part dans tous les sens ici pour qu'il y ait plein de chemins, etc. Ils trouveront jamais. Et moi, je serais plutôt d'avis de le mettre de l'autre côté. Oh, mec, là, tu me ici. Perds de ouf. Ici. Et là, on a un petit peu de place. Et genre là, tu mets. En gros, là, tu mets les pistons derrière. Et en gros, faudrait que tu mettes la plaque de pression, genre ici. En gros, que t'arrives là et tu tires la flèche, genre sur ce bloc là, tu vois, genre ici là. Et on mettra de la stone pour boucher. En gros, tu vois ce que je veux dire? En gros, que ce soit bien camouflé là. Et pendant ce temps, je fais tout le reste. Yep. Je vais partir du principe qu'ils vont casser ici. Je vous le dis, je pense pas qu'ils vont casser sur les côtés ou quoi. Comme ça m'évitera de faire toute la zone parce que sinon, on en a pour une heure et demie. Et bah, du coup, je vais monter toute la muraille histoire qu'ils croient qu'il y a du sable de partout. Alors qu'en réalité, il y en a que devant. Bon, c'est cool parce qu'à chaque du coup FK, on essaie de faire un truc différent un peu. C'est cool. Là, on fait une salle qu'on avait jamais fait. On va essayer, on va voir. Hein. Là, les assos, c'est quoi? C'est jour 6? Ouais, c'est dans 12 minutes. En vrai, c'est pas mal du tout là, hein, franchement. Je pense qu'on s'est plutôt bien démerdé. En vrai, je pense que dans 10 minutes, on a fini, je dirais. Ah, il me manque un tout petit peu du coup de cobble. Genre, je dirais 3 stacks là, ça serait pas mal. Bon, c'est long, mais bon. Je vais venir dormir, je vais prendre des seaux de lait. On va refaire une petite tournée de potions au passage. Et d'ailleurs, les alambics et tout, faudrait peut-être les cacher en haut aussi. Comme ça, au moins, il y aura pas de soucis là-dessus. Et après, ça va être les assauts. Et à mon avis, on va se faire péter la gueule par Frigel et Ninjax. Fin du jour 5, début du jour 6. Les assauts sont maintenant activés. Eh ben voilà, mec. Bon, toi, t'es 3 pièces, c'est pas grave. Moi, je suis que 2 pièces. J'ai que du protection 1. D'ailleurs, on a plus de livres et tout, mais c'est pas grave. On se mettra bien. Eh ben voilà, mec. On aura 6 potions de poison. Je pense que là, on a de quoi faire, quoi. Vraiment, on a de quoi faire. Allez, est-ce qu'on va péter la gueule à Frigel? Bon, toi, t'as l'air de vouloir péter la gueule à Frigel. Je suis tombé, gros. Bon, j'ai pris les TNT. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on est bien. Oui, je prends des speeds. Du coup, je vais en prendre. Bah, je pense que je vais en prendre une pour l'instant. Et je vais prendre une poison, juste. Et ça suffira. Ouais, j'ai fait la même. J'ai pris une poison. Et la TNT, c'est toi qui l'en es, d'accord. Bon, bah, on va chercher les autres, on va se balader un petit peu au centre. Alors, go chercher un peu. Ah, mec, avec les alambics et tout, sur, ça fait vraiment base de. Genre, regarde derrière. En vrai, franchement, pour une game qui avait pas très bien commencé. Je trouve qu'on s'est quand même bien rattrapé, mec. Hein. No fake. On va voir par là, on va voir qui c'est. Allez, ah, c'est les rouges, non? Les rouges, c'est qui? C'est Sifano, Magic, je crois. Magic qui est dehors d'ailleurs. Bah, va buter Magic en fait. Hein. Attends, bonjour. Attends, je mange. Y'a Magic qui est là. Attends, je vais buter Magic. Y'a Sif qui te suit. Fume-le. Ok, les deux sont sur moi. Oh le bâtard, il a voulu balancer une potion de poison. Oh, il m'a eu, bien joué. 20 secondes de poison, attention, mec. Faut buter Sifano. But Magic, si tu peux. Ah ouais, par contre, mec, je vais être un demi-cœur, moi, du coup. Bah, t'inquiète, reste en retrait. Oh, la TNT, attention, mec. Hein. Là, je suis un demi-cœur, moi. Okay, Magic, vas-y, régène, mec, cache-toi. Attention à toi. Dès que je suis full vie, je vais boire ma speed. Ah, bien vu, la speed. J'enchaîne les flèches. Attention, il te rush. Recule, mec. Recule. Non, la TNT. Oh, le seum. Meurs pas, gros. Meurs pas, recule bien. Ok, Sifano me rush. Attention, on me laisse pas tout seul. Ah, y'a quelqu'un derrière, y'a Ninjax juste derrière là. Vas-y, on se barre. Bah, attends, parce que. Ils sont juste là, ils sont full faire les deux. Ok, go se casser. Ah, gros, on se fait focus là-haut, c'est quoi ça? Merde! La pièce qui est... Ah, les deux, mec, sont en train de s'allier contre moi. Les quatre, ils sont sur moi, gros. Y'a vraiment les quatre sur moi, mec. Ouais, mais mec, là, je peux pas sortir en fait, là, je suis dans un trou. T'inquiète. Ah, ils se boostent! Bah, attends, je vais rush le. Ils se boostent et tout! Non, mais je suis mort! Non, on y va, ne meurs pas! Bah, je peux pas, gros, ils sont les 4 sur moi, ils se boostent et tout! Les 4 sur moi, gros! Je crois que Frigel est en train de taper Magic en même temps, ok, Frigel est en train de taper Magic, ça y est, ils sont retournés, gros. Ok. Ils ont pas récupéré ma TNT, okay. Putain. Oh, je vais crever, gros. Mais attends, ils me mettent tellement cher. Gros, attends, je peux pas poser de TNT dans leur classe. Oh putain, je suis un cœur, gros, je te le dis, je suis un cœur. C'est quoi leur protection, attends? T'es rentré là, du coup, c'est bon? Je suis dans leur base, ouais. Bah, moi j'arrive, mec, c'est bon, je régène petit à petit. Heureusement que j'ai la speed. Faut pas qu'ils te voient, hein, parce que faut pas qu'ils te voient venir chez eux, mais. En vrai, j'ai vraiment envie de faire un truc. Bah, tout le monde fait des labyrinthes, c'est ça qui est en fou. Ok, Stéphane va mourir. Oh, moi aussi d'ailleurs. Oh putain, heureusement non, il m'a pas poursuivi, mais le tour de la TNT, gros là. Ok, attention, il y a Magic qui rentre dans sa base. Il a rebouché d'ailleurs. Faut que tu reviennes me chercher. Okay, bon, en vrai, là, je vais peut-être pas faire péter de TNT maintenant parce que du coup, ça va me cramer. Attention, mec, ouais. Sifano a respawn en haut. Il reste que Frigel dehors. Et Magic, il est où? Il est rentré à la base? Ouais, il est en train de reboucher sa base. Mettez en dessous. Donc, sneak, cherche leur salle en vrai si tu peux. Mais reste bien en sneak. Là, ils vont venir me chercher. Si les deux ils sont sur moi, ça sera pas mal, t'inquiète. T'es pas mort, toi? Non, je suis pas mort, mec. Je suis le seul devant chez eux. Mec, c'est incroyable ce qui se passe, mec. Oh non, ils viennent me péter la gueule. Et c'est bon, mec, ils sont plus dans leur base, gros. Ils vont me courser sur toute la map, mec. Laisse
laisse tomber, t'es tranquille. Qui est plus dans la base? C'est bon, y'a plus personne dans la base des rouges. Ok, je suis tranquille, bah vas-y, je vais. Attends, là, il retourne, attends. Non. Attends, j'ai claqué une TNT là. J'espère qu'ils vont pas l'entendre. Bah, ils vont pas l'entendre, ça c'est sûr. Bah, là, ils sont sur moi, je les attire loin, d'accord? Je les attire loin. Je les attire très très loin, mec. Avec l'instinct, t'es incroyable par contre. Attends, Magic me propose une alliance. Et là, bon, j'ai claqué toutes mes TNT, j'ai pas trouvé leur ça. il a tenté de me bait. Attends, t'as claqué toutes tes TNT, t'as pas trouvé. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? Tu peux, ouais. C'est full safe. Ouais. Mais en fait là je crois que je vais être coincé à leur base en fait. Mais t'as pété toute leur base du coup là? T'es où toi? Donne-moi tes coordonnées. J'ai utilisé toutes mes TNT, j'ai pas trouvé leur salle okay. Mais T'es où toi du coup là? C'est où tes coordonnées? 218-34. Ok, j'y arrive, j'y suis mec, bouge plus. Ok, ah, bon, yo. Faut qu'on retourne à notre base parce qu'à mon avis Michel et tout ils vont pas être contents là. Ouais c'est sûr. Par contre du coup c'était bien joué le fait qu'ils sont les deux sur moi pendant que tu... Ah, ils sont en train d'assaut apparemment. On va chercher les 5 TNT. Donc on essaye de les assaut ou pas? Ouais, ou on peut essayer l'autre base hein, au pire. Par contre je suis passé un nombre de fois incalculable à un demi-cœur. Tiens vas-y viens. Alors là il va falloir qu'on remonte du coup pour aller chercher des potions et de la TNT en plus. Pour la TNT ou pas? Ou j'en laisse encore est-ce que je prends toute la TNT? On la sépare en nous deux. Tiens. Comme ça si on a un qui meurt c'est pas à la fin. On y va comme ça, on va voir, on va essayer de continuer, on va voir. Est-ce qu'on irait pas voir Frigel et Ninjax pour laisser un peu siffler Magic Ouais on va faire ça, de toute façon ils sont pas là donc on va. Là j'ai la base, elle est là. Ils sont là ou pas? Parce que si y a un creeper super chargé, mon gars. Ah, il vient de boire sa potion, je crois, non? Même pas. Ah, il est pas très content. C'est sûr que c'est bien de les mettre si bas. Moi j'aurais mis un peu plus haut, tu vois, quand même. Parce que là pour rentrer, mon pote, bon courage en vrai. Mais mec, c'est des malades, vous êtes des grands malades. Quand t'arrives à la poser à l'intérieur et je l'allume direct. Ah mais regarde, je vais la poser à côté je pense, regarde. Là. Non, c'est mieux de la... Ouais voilà, ah, là, exactement. Bon. Il va poser de l'eau, non? Il pense pas mettre de l'eau. Ok. Hop là. Ah, bientôt, on mec. Peut pas cramer le bois. Oh les go mec. Là on peut passer là. Allez go, c'est bon, on est rentré mec. On est rentré, rien à foutre. Bien joué. Attends, elle est où leur base là? Il m'a mis de la weakness le bâtard. Bien joué gros, il m'a mis de la weakness. Ah il est pas con ouais. Ok, je pense que c'est des trucs à la con comme ça là. Ok, là il y a l'air d'avoir rien du tout. Ok, là je suis dans leur base là. Il y a des creepers de partout mec en vrai là. Vas-y fais péter gros. Ah mais attends, je crois qu'on est complètement bloqué mec là. Derrière toi. Putain il est chiant avec ça. Attends, trucs, du coup ça veut dire qu'il y a un... S'il arrive par là, ça veut dire qu'il y a un moyen de monter autre part qu'ici. Ah bah là du coup là, regarde là ici. Oh il y a Frigel gros. What? Je vais mourir gros, faut que tu m'aides. Oh, non. Oh je vais mourir, je suis un demi-cœur. Oh j'ai lancé cross kill. Bien joué! Faut que t'ailles vite récupérer le stuff. Faut que t'ailles vite. Au même je suis coincé, TNT. Gros! Oh, le lit il a été. Quoi? Mais on a obstrué le lit, mec! Genre, Homebed was missing or obstructed. Putain, bien joué, Frigel, il m'a backstab. Il a bien joué, gros. Il a très bien joué. Ouais, faut que t'arrives à survivre et tout. Faut pas qu'il récupère le stuff, mec. T'arrives à camper sur le stuff. Oh, je l'ai tué! Allez, faut que tu restes. J'ai ouais, tué! Voilà. Double kill! Voilà, maintenant, il faut que tu restes là. Faut que tu campes au stuff, gros. Faut que tu campes au stuff. Tu te heal en boucle. Mais tu peux pas te barrer à la limite avec tout le stuff, au pire? Non! Ah, putain. Ah, tellement proche! Ah, il a bien joué, Frigel, hein. Bien joué, hein. Ah, t'as respawn là-haut, toi? Ouais, moi j'ai pas répondu dans le lit. T'avais peut-être pas. Parce que t'avais pas dormi en haut. J'avais pas redormi en fait. Okay. Bah, du coup, je veux bien que tu prennes juste du stuff en rab et tout. Et puis on va y retourner, hein, du coup. Là, on est clairement les moins bien en termes de stuff là actuellement. Oh purée, le seum. Je sais pas comment on va faire là. Ah, ouais, là ça a l'air d'être un peu compliqué là, ouais. Oh mec, j'ai tellement le seum. On va essayer, on va voir. Hein. Même si bon, on est pas dans la meilleure situation. Faut qu'on arrive à en prendre un V2, quoi. Bon, on y va, mec, on avance. On a pas le choix, hein. Essayons, mec. On a plus de TNT, mais essayons. En fait, leur strat de faire plein d'épées en fer pour le moment où genre t'es vraiment dans la merde. Ça marche bien, hein. T'as vu, c'est hein. Vraiment pas bête quoi. Ils sont partis, je crois. Ils sont partis chez nous, non? Ah merde, ils sont partis chez nous là, c'est sûr, mec. Ah ouais, là c'est chaud là, un peu là, non? Go, repasser peut-être par chez nous pour voir parce qu'à mon avis, ils ont peut-être venu moyen. Enfin, il y a peut-être moyen qu'ils nous aient aggro à ce moment-là. Bah non, notre base elle va nickel, mec. Regarde, ouais. Bah ils sont partis chez Siphano alors. Non, il y a Siphano chez nous, gros. Il y a Siphano chez nous. Ils sont rentrés. Viens. Ah, ils sont dedans, vas-y, ouais. Non, je suis hyper loin là. Ouais, les rouges. Ah, ici. Ils ont perdu les rouges là. Ils nous ont sauvé notre game mec hein, parce qu'on était perdu hein. Mais alors là du coup on remet les teams. Alors du coup il y a changement du coup vu que les rouges sont éliminés. Du coup qui va qui ou qui va où je veux dire On prend Sif. Ouais, je veux réunir le duo Frigel Sif. Sinon on peut y aller direct hein. Go tenter mec, j'ai 6 TNT, j'ai encore des potions. Ouais vas-y t'as tout sur toi. Vas-y on va tenter. Ah, c'est vraiment la dèche pour nous mec hein. T'inquiète. On va avoir le temps de venir. Retournement de situation maintenant. Bien sûr mec. Faut qu'on bouge déjà, faut qu'on bouge ici mec. Tu sais. T'as des blocs? J'ai 52 blocs de. Bon bah go boucher ici. Par contre vous êtes rentrés en combien de TNT les gars? 3. Et du coup le sable ça vous a pas fait chier? Ah mais non, parce que vous êtes passé pas derrière, vous êtes trop fort. On est passé, ouais en fait, bah c'est pur hasard mec, en okay. Vrai... D'accord, donc... Ok imagine... c'est bon, allez let's go. T'as combien de TNT, bon, Magic? 6. Oh putain, ah ouais. Faut juste pas que tu meurs en fait toi. En vrai, vaut mieux peut-être se faire discret, attendre qu'ils partent pour votre base, parce que votre base, votre salle des coffres est chiante à trouver. Ouais mais s'ils mettent des TNT, ils vont finir par trouver tu vois. Oui, mais nous aussi on peut mettre des TNT tu vois. En vrai j'étais content de notre base avec Fuse, en vrai. Ils sont là, Ninjax tourne autour. Non, je crois pas qu'ils nous ont vu. Hein. Vraiment, je pense qu'ils nous ont pas vu. Hein. J'espère qu'ils vont pas passer par là, les gars. Bougez pas. C'est en train de partir pour assaut. Bougez pas. Ils ont pas vu, putain. Non, ils ont pas vu. Bon, attends, on contourne en sneak. Ah, énorme qu'ils nous aient pas vu, mec. Énorme, gros, t'es trop fort. Attends. Bah, là, de toute façon, ils sont retournés, donc let's go. Hein. Go poser les TNT. Ils pas là. Attends, c'est ici qu'on a ouvert, nous. C'est ici qu'on a ouvert, tu veux. C'est là qu'on a ouvert. Aussi ici.
Là aussi c'est ouvert. Bah comme tu veux, vas-y, là où ça te semble le mieux, tant qu'on fait ça vite. Ah ici, 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 ok. Parce qu'en fait toute leur base c'est des demi-dalles. Bah voilà, nickel. Ah non putain, encore une. Allez, comment on rentre là du coup? On va passer par en dessous, on va passer par en dessous, c'est okay. Pas grave. Ok, c'est faisable par en dessous là, t'es sûr? Bah on va voir au nombre de TNT, sinon on va vite foncer sur eux. Mais on va vite arriver C'est chaud là. Non, ils ont recouvert de... Non, non, faut pas mettre la magie, tout est recouvert de dalles en fait. Ah ouais. Alors on là pas, on met où? Il en reste une hein. Donc faut bien. Ouais, on a dommage, c'est de la merde là, c'est chaud, hein. Ouais, c'est cuit. Ah, ils sont là, ils sont de l'autre côté, Fuse, ils sont de l'autre côté. Bah, ils nous ont vu, attention, ça a explosé. Hein. Il y a Frigel en haut là. Ok, vas-y, on contourne. Stefano me shoot. Oh merde! What? C'est quoi, mec, ça? Mais what the fuck, c'est quoi ces dégâts? Attends, j'arrive là. Genre en vrai. Je suis mort, attends, oh putain. Là, il est mort, gros. Là, il est mort. Il a voulu perdre. Bien joué, bien joué, vas-y. C'est fini, gros. C'est bon, c'est fini. Ok, oui, c'est le stuff. On se bat. Tiens. Prends le stuff. Voilà, prends le stuff. Je vais t'en donner aussi, t'inquiète. Hein. Ça. Tiens, Fuse, prends ça. Ok, j'ai 5 TNT. Hein. Les TNT, il faut les poser au-dessus. Ouais, j'avais pas fait attention. En vrai, qu'est-ce que je fais? Je tente ailleurs ou on retourne vers là-bas? On va tenter de l'autre côté en vrai. Ici, ça m'a l'air plutôt pas mal ici en vrai, là, regarde, non? Ici, là où ça tombe, non? Oh, il a mis du weakness. Ah oui, non, mais on a. Ah, c'est du weakness. Ok. Alors là tu peux mettre un peu au-dessus là normalement. Mais là dans la structure, ouais. À dans la structure, c'est ça en fait. Ah, voilà, là c'est bien. Non. Ouais, okay. Non mais elle retombe, c'est pas grave. Pose la TNT, j'allume instantanément. En fait j'ai weakness les gars. Non mais ça sert à rien de la poser, elle va tomber, c'est quand tu vas l'allumer ici. Ouais. En vrai c'est bien le 1 qui. Ça c'est pas mal ça mec, c'est pas mal. Dedans là. Oh oui c'est pas mal ça du tout. Vas-y go. Ça c'est bien ça mec. Mettre du sable. Oh putain, mais comment on va rentrer là-dedans, mec? Attention à Ninjax, attention derrière. Mais essayez de les mettre au-dessus, vraiment la couche la plus haute possible. Ouais, mais après, ça, tu sais que ça tombe sinon. Elle est chiante, hein, leur. Elle est super chiante. Attends, si je la pose, tu l'allumes? Vas-y, je l'allume. Attends. T'es prêt? Je savais pas. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire. Là, si on peut monter, faut y aller direct, hein, en vrai. Encore. Maison une, vas-y, maison une là. Attends. Ouais. Là, il en manque une, là. Une seule, là. Non, il m'attaque, Frigel. Oui, ok, faut back. Cours. J'ai plus de vie. Tourne à droite. Je viens de sauver Fuse. Continue de courir, continue. C'est foutu pour moi. Ok, ouais. C'est de la merde. C'est le pire endroit du monde, ça. Bah, les gars, vous voulez pas back, on a du stuff en rab et tout, ce serait peut-être. On les prend en 2v2. Vas-y, si tu veux. Hein. Focus Frigel. Booster. Oh! Faut qu'il meure là. Putain, il est pas mort. Attends, mais Sif est parti où? Ah, ils ont bien joué, gros. On va rentrer, je pense. Hein. Parce que là, on pouvait presque rentrer, regarde là. Ouais, là, on est pas loin. T'as pas une TNT là, en rab? Non, j'ai plus rien. Ouais, on peut refaire quelques TNT. Je sais pas ce que vous aviez dans vos coffres, rien. Hein, mais. Rien. De toute façon, là, ils vont nous attaquer. Bon, Ninjax a plus de stuff. Non, ce qui est bien, c'est que, en tout cas, toi, t'as récupéré du stuff, c'est. En soi, ça a pas servi à rien. On a un petit peu de gunpowder là, si tu veux, Magic là, ce qu'il nous reste. Ah, ils sont là. Ah, bah, ok. Attends, il faut que je dorme dans mon spawn du coup, moi. Oui, il fait jour. Là. Ok, bon, TNT, ils sont de quel côté? Ah, viens, là où il y a le sable. Ah, ils assautent du bon côté en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fonce dans le tas. Genre, en vrai, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Non, attends, on les laisse arriver un par un. Attention, je mets masse dégâts. Recule, gros. Surtout que je rebouche instant. Ah, ils font mal, wow. Ninjax bientôt mort. Attends, claque pas tes flèches. Ninjax bientôt mort, gros. Ninjax, il a un cœur. Go maintenant. Ouais, mais go même s'il meurt, ils vont récupérer. Go maintenant, les gars. J'aurais mis tellement de dégâts que là, c'est l'occasion. Ninjax est mort. Frigel, vas-y. Ah, c'est derrière. Oh, tu me suis? Non, personne ne me suit. T'es tout seul. Vas-y, on va l'avoir. Allez, bien joué. Allez, hop, c'est le stuff pour Fuse, ça qui tombe. Nickel. Frigel, il rentre. Frigel continue de rentrer. Viens, Fuse, viens avec moi. Je te donne du stuff. L'autre côté, les gars. Contournez l'autre côté. Ça. Frigel se barre. Il a posé une TNT, il se barre encore. Hein. Ok, on le laisse. Et c'est fou les retournements de situation. C'est retournement de situation en boucle dans cette game. C'est énorme. C'est trop bien. Mais c'est ça. Ça, c'est un vrai F4. Elle est énorme cette game, mec. C'est retournement de situation en boucle en permanence. Genre, c'est trop bien. Et en vrai, on peut y aller, non? Ils sont moins bien stuffés. Ouais, mais attends, vous avez des TNT ou des trucs comme ça ou pas du tout? Parce que moi, je peux en refaire une. Attendez, je peux en refaire. Après, c'est la nuit, mec. On fait spawn des creepers à côté. Mais attendez, je voulais pas que je fasse une TNT plutôt. On se la joue safe. J'en ai une là. Ah mais encore du stuff. Yassif. Ah bon? Attends, il est stuff? Ouais, il est stuff full fer, mais T'as eu le stuff derrière là? Vas-y, Fuse, il est pour toi. Il va prendre mon sif à point dans la gueule. Allez, tu peux l'avoir, monsieur Fuse, allez, let's go. Ok, nice. Oui. T'as une underpearl en plus. Bon, j'ai une TNT, les gars, on peut y aller, allons-y. Ah, Ninjax, c'est restuffé. Hein. Je pense que c'est leur dernier stuff vu comment il a enchanté tout. Allez, TNT. Il faut que tu la mettes ici. Alors, où ça? Plus Sifano. J'ai préparé le briquet au cas. Oh non, bordel de merde. Ok, bah je vais le poser. C'est bon, j'ai posé. Okay, ouais, allez, bien. Allez. Oh non, l'eau. Oh putain, ils ont bien joué. Ah ça, c'est ouvert quand même, on peut y aller. Oh t'es rentré. C'est bon, je suis rentré. Par contre, ouais, j'ai pris cher, putain, je recule. De sa mère. Moi j'ai 5 heures, gros. Allez. Continue Ninjax, ok c'est bon. Derrière toi. Faut pas qu'il me tue. Allez-y. J'ai 5 heures. Tu es Ninjax. J'ai plus de vie. Oui. Nice. Derrière Fuse, derrière moi. Protégez-moi. Tue-les, Fuse, tue-les, vas-y, y'a que toi qui a la vie, tue-les en boucle. J'ai pas full vie, hein, j'ai pas full vie, j'ai crevé. Vas-y, monte avec nous. Là, derrière. Hop, ils m'ont suivi. Ouais.
On est en train de régène tout doucement là. Moi j'ai deux cœurs. Hein. Régène. Moi je l'ai kill en bon, je l'ai tué. Nice. Et normalement c'est bon. On a réussi à rentrer. Putain c'était chaud. Hein. On a plus de TNT mec. Maintenant faut trouver leur salle. Hein. Ça c'est notre histoire maintenant. Si on n'arrive pas à trouver leur salle, on n'aura jamais fini. Hein. Maintenant faut qu'on trouve leur salle. Ouais. Je crois ils ont même plus d'épée en fer ouais, en fait. C'est pour ça ouais. En fait de toute façon il faut que quelqu'un reste en haut pour okay. Pour les tuer en boucle. J'ai deux cœurs. Ah en vrai t'as vu j'ai un sad d'avoir du stuff et tout comme ça. Oh sa mère gros. Mais Frigel il me focus parce qu'il sait tu vois. Ouais il sait gros, il sait. Il a compris. Il sait. Fuse cherche la base. Ouais je suis en train. Vas-y, de toute façon on a pas besoin d'être 3 en bas. Ah ça fait monter les kills hein. Oh, derrière oh, toi. Oh j'ai trois cœurs. Monte comme moi, reste. Ah merde putain je suis tombé, je suis loin. Ah ouais, très loin. Je vais sauter avec toi, hein, je te le dis. Hein. Je saute avec toi. Vas-y, nice. Ok, là Frigel est sur moi, j'ai 2 cœurs et demi. C'est bon. Ok, là il faut qu'on rentre maintenant. C'est chaud sa mère. Et il faut, parce que là il faut récupérer leurs épées de merde là. Ah mais ils en ont tellement en fait. Ils en ont à l'infini gros, Donc jette pas ton stuff et aide-nous plutôt parce que magiquement on a pas de vie. Là je vais mourir derrière les gars. J'arrête pas de passer un demi-cœur en boucle et tout là, c'est infernal. Putain ils ont même encore du fer quoi. Oh bah je suis mort. Mais j'avais pas vu que les deux se tournaient sur moi en fait. Par contre je respawn pas du tout dans notre base, hein. Je sais pas pourquoi non, je respawn jamais dans la base. Laisse tomber la lave qui récupère pas le stuff. Il y a le stuff derrière, empêchez-les de sortir de la base, absolument. Empêchez-les de sortir de leur base. Ok, on back tout doucement. Mais je reviens là, on peut pas avancer, moi je suis là, moi, je suis avec vous. Il va jamais finir. Je suis là, si vous me donnez du truc, on y retourne tout de suite, je suis là. Je vous vois, je suis là Magic, je suis juste là, regarde à côté de toi. T'es ouf, moi j'ai ma stuff pour toi si tu veux. Sharpness 4 knockback. La game elle va jamais finir, les gars ont rebouché. On va jamais réussir à passer gros. Il faut des creepers chargés. Il faut attendre la nuit, il faut des creepers chargés. Sans là on peut rien faire d'autre. De toute façon nous on peut rien faire d'autre, on a plus de TNT. Égalité ? Ah, vraiment ? Jamais égalité sur ça. Putain y'a du protection 3 dans leur stuff en fait. Égalité, c'est trop nul l'égalité. Vous voulez qu'on aille en vocal avec eux comme ça on fixe la fin avec eux parce que là. Eh vous êtes des fous avec votre base, j'en peux plus hein. Vraiment, mais arrête, elle base, est très bien là bas. Et Fuse, t'es allé où là ? Comment il est parti ? Il a disparu. Il cherche la salle en fait. Comment il est une grotte les gars ? Oh bah il a trouvé une grotte, regarde, il a trouvé une grotte là, mais c'est quoi ça ? Regarde, il a trouvé un truc là. Mais comment il peut casser? On descend chercher. Mais vas-y, les gars, donnez pas des indications sur comment me faire buter. Oh, la salle des coffres. T'as trouvé? T'es quoi? Ouais. C'est vrai. Il l'a trouvé. Faut aller dedans, Guide. On a même pas besoin de finir. Attends, on a même pas besoin d'invoquer notre trou en fait. Attends. Mais comment t'as réussi à miner jusque là, toi? Gros, je sais pas, mec, mais elle est pourrie leur salle des coffres. Elle est hors de la map en plus, je crois. Mais elle est pas hors de la map. On peut pas poser. Bah c'est bon, on a trouvé en fait. Ah ouais, on a trouvé, ouais, on les voit. Je suis trop fort en fait. Et comment t'allais dans la salle? Mais mec, je sais pas, mec, j'ai creusé, je suis tombé sur un tunnel, j'ai fait. La salle est en dehors de la base. Comment ça, votre salle elle est en dehors de la base? Mais oui, mais mec, on peut creuser là. Non, regarde derrière, on peut creuser. En fait, ils sont vraiment à la limite du chunk. C'est bon, on a perdu. Et bah voilà. Quelle était la probabilité qu'il mine pile à la hauteur du seul chemin qui mène à la salle aussi? Fallait faire attention à votre chemin. Hein. La hauteur. Regarde, t'es sorti pile au niveau du tunnel. Fallait pas. Mais oui, qui mène à la salle. J'avoue, il a possible. Vraiment un coup de chance là qui est un truc. Non mais c'est comme quoi il voulait que le live se finisse à minuit. Et moi j'avoue que moi aussi j'ai des trucs à faire à minuit donc bon. Moi je pense que ça pouvait durer encore super longtemps. Et voilà, on a finalement remporté ce Fallen Kingdoms avec Fuse. J'espère que ce petit retour dans le temps vous aura plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo à fond. À 30 000, j'organise un nouveau FK en 2022 avec les mêmes personnes. Un petit commentaire aussi pour me donner votre avis, ça régalerait. Et abonnez-vous à la chaîne ainsi que sur Twitch. On live tous les jours, alors n'hésitez pas à passer. Des bisous tout le monde.